Good morgen, allez, Daniel et Tusser, aujourd'hui le Nishmat, Claude Israël Ben Fortuné Mazal, le Norbert, Abraham Ben Fortuné Mazal, et Morido Rabbi Shmuel Ben Shlomo Mazal Oman. Si vous souhaitez vous aider à une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions la Sechet Tanit, Perek Bet, Mishnah Yud. En Gozrin Tanit à la Tzibur, Berosh Chodesh, Bechanouka, ou Vapurim. Vimitrilu en Mafsikin, Divrei Rabban Gamliel. Amar Rabbi Meir Afalpi, Shamar Rabban Gamliel en Mafsikin, Mode Haya, Shen Mashlimin. Traduit directement, on ne décrétera pas un jeûne, on n'instaurera pas un jeûne à la tzibour sur un public, berosh chodesh, ni à la date de rosh chodesh, ni bechanouka, ni un des jours de chanouka, ni à pourim. D'accord? C'est-à-dire, on a appris là, donc la série des jeûnes, comme on apprendra encore d'autres, les jeûnes à réaliser, lorsque la pluie traîne à venir, et bien si on voit que, si on veut instaurer un jeûne, on réalise que la semaine prochaine, on va avoir Hanouka ou Purim, ou même Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'était plus difficile à prévoir à l'époque, puisque Rosh Chodesh, ça dépendait des témoins qui allaient venir. Mais en tout cas, si... Imaginez qu'on sait, on est le 30e jour, on sait que demain ça va être Rosh Chodesh par exemple, et bien on ne pourra pas instaurer un jeûne pour à Rosh Chodesh. Ça, c'est a priori. Par contre, Vimitrilou en Mafsikin. Cependant, s'ils ont déjà commencé, c'est-à-dire on a déjà commencé à faire la série, on a déjà commencé, il fallait commencer à jeûner toujours le lundi, on avait dit. On a commencé à jeûner le lundi, puis après on a réalisé qu'on a fait une erreur, parce qu'il y avait le jeudi, il y allait avoir Rosh Chodesh, Hanouka ou Purim, et bien on pourra continuer à jeûner. D'accord. Si on a déjà commencé, on pourra continuer. Vimitrilou en Mafsikin. Si on a déjà commencé, alors on ne s'interrompra pas et on commencera la série des jeûnes. S'il faut faire trois jeûnes, bet et bet, yom sheni, chamishi, jeûni, ou s'il faut faire les sept jeûnes, ben on ne les arrêtera pas. Divrei Rabban Gamliel, tel est l'avis de Rabban Gamliel. Amar Rabbi Meir, il a dit, Rabbi Meir, attention, afalpish amar Rabban Gamliel en Mafsikin, bien que Rabban Gamliel a dit que l'on n'interrompra pas ces jeûnes durant les jours de fête ou de Rosh Chodesh, Hanouka ou Purim qui ont été cités, même si Rabban Gamliel a dit qu'il faudra quand même jeûner, mais attention, Modéaya Shen Mashlimin, il reconnaît qu'on ne complétera pas la journée entièrement, c'est-à-dire, on ne va pas passer la journée du matin jusqu'à la tombée de la nuit sans manger, mais le soir, à l'approche de l'entrée du... à l'approche de la fin de la journée, quoi, je ne sais pas exactement, c'est pas précisé combien de temps, mais il faudra manger un petit peu pour ne pas faire une vraie journée de jeûne. C'est-à-dire quelques minutes avant la shkia, on mangera un petit quelque chose. D'accord? Il faut manger un petit peu. Comme ça, le jour de fête, il a quand même été un jour de fête, même s'il a eu du tsahar à jeûner. Malgré tout, il n'a pas jeûné jusqu'au bout. Ça, c'est premièrement. Et aussi, Vechen Tisha Be'av, Shechal Yod Be'er Shabbat, même principe aussi si le jeûne du 9 Av il tombe à la veille de Shabbat. C'est-à-dire, à notre époque, c'est plus possible. Parce qu'à notre époque, le calendrier a déjà été préétabli. Et le premier jour de Tisha B'Av tombe constamment comme le premier jour de Pessah. Et pour Pessah, on sait bien que l'eau Badou Pessah. Pessah ne tombe jamais à Badou, Bet Dalet Vav. Ni le lundi, ni le mercredi, ni le vendredi. Ça, ni Pessah, donc, et ni aussi Tisha B'Av ne tombera durant ces jours-là. Mais si à l'époque où il fallait, on sanctifiait comme dans Rosh Hashanah, on sanctifiait le Rosh Chodesh selon le témoignage des témoins qui venaient. Et concrètement, ça est sorti donc que le jeûne du Tisha B'Av va tomber un vendredi. Eh bien, il nous dit, Rabbi Meir, étant dit, même principe, tu rentres pas, tu jeûnes depuis le jeudi soir, et vendredi matin, et vendredi après-midi. Mais juste avant l'entrée de Shabbat, tu manges un petit quelque chose pour ne pas entrer à Shabbat lorsque tu es affamé, et forcément pas en shalva, pas un peu agressif parce que tu as faim, parce que tu n'es pas à l'aise. Alors tu mangeras un petit peu avant l'entrée de Shabbat, tu casseras le jeûne en fait. Ça c'est l'avis de Rabbi Meir. La halakha n'est pas rétablie comme lui, n'est pas établie comme lui, mais dans tous les jeûnes qu'on fait, même avant Shabbat, il faudra, ou même, d'accord, même pendant ces jours pour la pluie ou la misère qu'il pourrait y avoir, eh bien on jeûnera même, toutefois c'est sorti qu'il a fallu jeûner pendant Rosh Chodesh, Hanouka ou Purim, on complétera la journée entièrement et on mangera que le soir d'après. Il rapporte le Tiferet Israël un usage. Aujourd'hui, on n'a plus l'habitude de faire des jeûnes, malheureusement, quoi. On a des corps beaucoup plus faibles, on est beaucoup plus attaché au matériel et aux petites choses à manger et à boire toute la journée. Mais en tout cas, à l'époque, lorsqu'il jeûnait, il rapporte que si toutefois, il rapporte un usage comme ça, ça rapporte apparemment dans le Shulchan Aruch, que si quelqu'un avait fait un jeûne un jour interdit,
parce que c'est sorti comme ça. Alors l'usage, il était de jeûner, et de faire jeûner après une deuxième fois, parce qu'elle avait jeûné l'un jour, il ne fallait pas jeûner. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine. Atzlacha kol tov, b'salam.